Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sa propre modération. Amen. D'être dans sa maison. Alléluia. Pouvoir chanter de tout notre cœur. Amen. Il est digne d'être loué. Amen. Notre cœur. Amen. Parce qu'il est notre Rédempteur. Amen. C'est lui qui a vraiment payé le prix de notre rachat. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour le salut. Amen. Le prix aussi qu'il a payé. En retour, nous voulons le remercier et changer notre vie. Amen. Et aussi notre âme aussi lui être aussi donnée parce que ce que le Seigneur demande et cherche, c'est réellement notre âme. Amen. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie qui nous a accordé. Comme je crois que ces écrits qui les disaient, les vivants, ce sont ceux-là, et Dieu nous ouvre notre âme. Nous aussi, nous avons accordé la grâce d'avoir le souffle de vie aujourd'hui. Amen. Nous le remercions vraiment de ce qu'il a donné un sens à notre vie. Amen. Amen. Nous ne savions pas ce que nous étions, mais aujourd'hui, nous savons ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Nous avons ramassé, nous avons lavé. Amen. La fête de nos jours, les fils et les filles. Amen. Que son saint nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Tous qui êtes ici et ceux qui sont aussi en connexion de différents pays aussi. Nous prions le Seigneur pour chacun d'eux, qu'ils soient aussi avec nous ici et aussi avec eux aussi là-bas. Amen. Et qu'il accorde la grâce, que aussi la bénédiction qui nous accordera ici, et ceux aussi qui sont en connexion puissent aussi être bénis. Amen. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs de par le monde, dans différents pays et différents endroits, et qui prient aussi beaucoup pour nous aussi, pour ici, et qui s'attendent aussi à ce que le Seigneur fait ici. Amen. Ils en sont aussi des bénéficiaires aussi de notre côté. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Et aussi nous prions qu'il soit avec nous pendant tout cette année. Alléluia. Nous allons avoir et nous prions vraiment que sa main puissante soit là. Amen. Et qu'il puisse aussi baptiser du Saint-Esprit. Amen. Qu'il guérisse les malades. Amen. Qu'il délivre ceux qui sont liés. Amen. Il étende sa main réellement pour ramener ceux qui sont à lui, à lui. Amen. Nous allons nous lever pour prendre dans le livre de Psaume au chapitre 8. Psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, amen. Que ton nom est magnifique sur la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Amen. Pour confondre tes adversaires. Amen. Pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Amen. Quand je contemple les cieux, Amen. Ouvrage de tes mains, Amen. La lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Que les filles de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu offrir à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sous les œuvres de tes mains. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds, Amen. Les brebis comme le bœuf, les animaux de champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers de mer, éternel notre Seigneur, que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre. Amen. Que ton nom est vraiment magnifique, mon sauveur. Voulons vraiment glorifier ce nom merveilleux. Parce qu'en ce jour, vous nous tenez debout en cet endroit, parce que réellement, tu nous as aussi guéris, tu nous as aussi fortifiés, tu nous as aussi pardonnés, tu nous as aussi consolé nos cœurs et fortifié nos âmes, tu nous as aussi et la gloire de l'honneur, tu nous as bien Dieu, au temps de la vie, Seigneur, par qui tu le Père, au béni de Père, qui sans Seigneur, Frère, Seigneur. Oh,
merci encore pour ce temps, Père. Louange et honneur à toi, Père Saint. Pardonne-moi pour ton corps, mon bénévole, Père Saint. Et apprends-moi pour tes grâces pour moi. Pardonne-moi par nos yeux fixés pour sa main sur toi, Père. Et dépassé par toi, mon bénévole, Père Puissant. Et les envies de toi, mon bénévole, Seigneur. Ouvre notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions avoir ta face. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est aussi un jour que le Seigneur nous donne. Nous remercions de tout notre cœur, car nous savons que c'est un jour de grâce. Nous le remercions pour le bienfait. Il cesse de pouvoir réunir aussi nous apporter, en tant que son peuple, comme le cantique le dit, compte le bienfait de l'Éternel. Et le nombre en est tellement. Nous ne cesserons de pouvoir réellement lui être reconnaissant toute notre vie entière pour ce qu'il est pour nous, et ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Amen. Oh. Les choses grandieuses sont préparées pour le peuple. Et nous attendons ces grands événements pour lesquels nous nous accrochons de tout notre cœur. Nous le remercions ce matin pour ce qu'il fait et il continue de pouvoir agir. Il nous réjouit encore de notre cœur pour tout ce qu'il accomplit parmi son peuple. Je voudrais demander à Fanny de venir devant notre sœur Fanny. Ses parents devaient être là ce matin, mais comme ils habitent loin en Hongrie, ils ont eu à pouvoir avoir une situation qui ne leur a pas permis de venir. Mais ils sont en connexion, d'après ce que j'ai compris. Alléluia. Être en connexion parce que c'est aussi un événement. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je voudrais demander à Vladimir de venir. Alléluia. Aussi, je pense qu'ils sont là aussi. Soyez le bienvenu. Amen. Et les parents aussi de notre sœur famille qui sont aussi en connexion. Amen. Le Seigneur nous bénisse aussi. Amen. Nous sommes tous heureux. Amen. 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 Ah, amen. Ouais, le Seigneur fait de moi. Amen. Nous devons vraiment le remercier. Amen. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont tous beaux. Hein. Amen. Vladimir donc a demandé la main de notre sœur Fanny. Alléluia. Et j'ai eu le parent de notre sœur Fanny au téléphone qui m'a réellement confirmé qu'ils sont d'accord. Amen. De pouvoir donner leur fille à notre jeune frère en mariage. Je veux dire. Amen. Ils voulaient vraiment être là ce matin. Et aussi le parent de Vladimir, de mon frère José, ma sœur, et là aussi, ils sont donc partis pour voir la famille, afin de montrer que la chose est sérieuse. Amen. Ils fermaient cela, et hier, ils m'ont aussi écrit. Ils étaient bien reçus, ils étaient marrés assez longtemps. Et c'était tard aussi, pourquoi les parents n'ont pas pu venir ce matin. Donc, notre frère et notre soeur sont désormais fiancés. Amen. De la maison de mon père. Alléluia.
tu es bon. Amen. Il nous aime beaucoup. Amen. Nous voulons prier pour eux. Amen. Alors levons-nous. Précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci. Parce que c'est toi qui donnes, mon bénévole Père Saint. Oh Dieu, ces enfants, tu les connaissais, Père. Voilà combien il est arrivé dans les ténèbres, en moi, et toi, mon Sauveur. Et tu as vraiment aimé l'entrée qui fait que le Dieu qui fait, Père. Car mon fils, il est mort, encore à toi, mon bénévole Père Saint. Et mon frère, c'est toi qui l'amène, mon Sauveur. Jusqu'au jour où nous nous tiendrons ici encore. Je vais voir comme c'est aussi pour leur mariage. Amen. Je crois que ça ne va pas traîner. Amen. Les cœurs sont déjà en train de brûler. Et nous remercions Dieu pour cela. Notre Seigneur, notre Dieu est toujours le même. Amen. Et il nous montre par là que aussi bientôt, bientôt nous partirons. Amen. Pour ces grands jours qu'il a réellement préparés aussi pour nous. Et c'est vrai, les promesses de notre Seigneur sont certaines. Alléluia. C'est lui qui nous a fait cette promesse en disant, je m'en vais vous préparer une place. Quelle grande consolation de savoir que lui, il reste fidèle malgré notre infidélité. Alléluia. Et quand lui, il dit une chose doit certainement arriver. Alléluia. Et quand il ordonne, elle doit exister. Alléluia. Nous sommes réellement consolés de ce que nous avons un puissant vainqueur, un Dieu qui sait réellement ce qu'il dit et qui sait aussi ce qu'il fait. C'est pourquoi, en tant que fils de Dieu, nous sommes aussi appelés à pouvoir réellement vivre comme notre Père. Et être semblable à lui dans sa manière de pouvoir faire les choses. Cela doit aussi se refléter aussi en nous, en tant que fils et filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Nous devons savoir ce que nous disons et aussi être aussi conséquent dans ce que nous faisons et conscient réellement que notre Seigneur a le regard vraiment posé sur nous. Dans Jean au chapitre 7, je voudrais lire avec vous Jean au chapitre 7, le verset 37. Jean 7, 37. Disons, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci encore, Père, pour cette grâce de nous tenir encore dans ces lieux et de pouvoir prendre part à ce repas, Seigneur béni. Pouvoir réellement entendre cette parole que tu as prononcée toi-même. Nous approchons vraiment avec crainte et respect et tremblement, Père, parce que nul ne peut parler de ta part, mon béni, de ta puissance, si toi tu nous parles. Amen. Et tu vraiment nous accorder encore cette grâce encore aujourd'hui,
de recevoir une portion encore ce matin qui pourra nous aider, Père, à voir réellement nous accrocher. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, le formalisme, Père. Amen. Nous voulons vraiment la vie. Amen. Monsieur, encore nous aider, car je t'ai ainsi prié à mon Maître, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous regardons dans les Saintes Écritures comment le Seigneur Dieu a eu à pouvoir manifester à l'endroit de son peuple ses intentions, ce qu'il désirait vraiment faire et aussi pourquoi en fait il faisait ce qu'il faisait pour ce peuple. Et quand on regarde aussi dans les scènes d'Écriture, on voit un peuple qu'on appelle le peuple élu, il s'agit du peuple d'Israël. Tout au long de la période depuis l'Ancien Testament, donc, nous avons remarqué une chose, comment les scènes d'Écriture nous ont, par les scènes d'Écriture, comment Dieu a eu à pouvoir révéler, montrer effectivement à l'homme ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, et ce qu'il cherchait à pouvoir obtenir, effectivement. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que l'Écriture nous parle de la manière dont les choses sont donc amenées donc à l'existence. Et puis, nous avons pu voir, effectivement, là, comment l'homme est arrivé aussi à être amené à l'existence, et le but même pour lequel Dieu l'a amené donc à l'existence, et comment y encadrer, et puis comment il y a eu cette évolution. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Noé, comme vous le savez, lorsqu'il y a eu effectivement ce déluge qui a eu à pouvoir remporter, détruire effectivement tous les êtres vivants qui étaient sur la terre, excepté donc cet homme du nom de Noé qui a eu la trouvé grâce devant aux yeux du Seigneur et auquel Dieu du ciel a eu à pouvoir lui révéler en réalité ce qu'il allait faire. Et ce qu'il comptait faire, effectivement, et le projet qu'il avait aussi pour l'avenir. C'est ainsi qu'il a donc fait savoir qu'il fallait qu'il puisse construire l'arche, et que tout celui qui rentrait dans cette arche, effectivement, serait donc sauvé. Donc, Noé et sa famille, effectivement, sont entrés donc 8 sur la terre, et ils ont eu à pouvoir réellement passer par les déluges, mais comme ils étaient dans l'arche, alléluia. L'arche, effectivement, était dans leur protection, et ils sont donc sortis vivants. Et tous les êtres qui étaient sur la terre, il n'y avait simplement que 8 et des animaux que Dieu aussi avait donc appelés et qui sont entrés aussi dans l'arche. Pourquoi? Si Dieu avait donc épargné donc Noé et aussi donc les animaux, c'est parce qu'il a montré effectivement que son projet, ses désirs depuis qu'il avait créé Adam, effectivement, c'était que le monde soit peuplé, la terre peuplée aussi, avec les animaux qui étaient comme. Et l'homme n'avait plus suivre la voie de Dieu. Dieu a continué effectivement cela. Et je voulais dire aussi une fois ici, j'ai dit, c'est tout de même extraordinaire en fait, parce que nous pouvons réaliser que Dieu pouvait aussi, lorsque le mal était entré dans le jardin d'Éden, puisque c'est là que le serpent est arrivé, et qu'il a eu à pouvoir séduire Ève, et puis c'est comme ça que les choses se sont passées. Dieu pouvait totalement détruire l'homme et recommencer aussi son œuvre aussi de la création, et créer aussi un homme nouveau. Hein. Et à ce moment-là, bon, ben, tout pouvait continuer comme cela. Mais bon, tout cela, les autres qui allaient passer, ne va pas passer, effectivement. Et en fait, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme comme nous. Amen. Amen. Alléluia. Il faut vraiment la grâce pour qu'on puisse comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes dans un monde comme celui dans lequel nous nous trouvons, avec l'intelligence de l'homme tel que nous sommes, l'homme ne peut pas comprendre Dieu. On peut comprendre les livres de l'histoire, philosophie, mathématiques, ainsi de suite, parce que c'est l'homme qui a eu à pouvoir mettre par écrit ces choses. Donc l'intelligence de l'homme comprend l'homme. Mais l'intelligence de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Parce que Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées.
Donc on ne sait pas saisir la pensée de Dieu. Mais il faut que ce Dieu, maintenant, qu'il puisse nous avoir la grâce de voir le connaître et le comprendre. Quand il dit une chose, il ne change pas ce qu'il a dit. Amen. La Bible a dit ici que le septième jour, Dieu s'est reposé à toutes ses œuvres. Donc il a tout prié, tout était terminé. Donc tout ce qu'il voulait, effectivement, faire, il a déployé, et c'était donc terminé. Il ne pouvait plus prier, effectivement. Donc il a laissé donc l'homme dans le lieu dans lequel il l'avait donc placé. Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Amen. Et son plan est toujours aussi merveilleux. Amen. Il a dit dans les Saintes Écritures que je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Vous suivez, non? Amen. Quand il dit que je suis l'alpha et l'oméga, il dit, je suis le commencement et la fin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je n'ai pas compris, mais est-ce que vous comprenez, vous? Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Donc, en fait, en dehors de lui, rien ne peut se passer. Amen. Donc, l'alpha, donc, c'est le début. Donc, avant lui, il n'y a rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et après lui, il n'y a rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout est en lui. Amen. C'est lui qui crée. Amen. C'est lui qui amène l'existence. Amen. C'est lui qui contrôle toute chose. Amen. Donc dans cet espace de temps, rien ne peut arriver. Amen. Qui peut échapper au contrôle. Amen. 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 Donc, l'alpha et l'oméga, il a le contrôle sur toute chose. Amen. Donc tout aussi lui est soumis. Alléluia. Amen. Il n'y a rien, mon frère et ma soeur, même les temps, même le vent, amen, même l'espace, amen, tout est soumis à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a rien qui peut être en dehors du contrôle de ces biens. Donc, ah, quand il s'est présenté à Jean, il dit, je suis l'alpha. Alléluia. Le commencement et la fin. Amen. Ce qui veut dire que ce qui peut se passer sur la terre, d'ailleurs, la Bible va plus loin, dit, arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel l'ait ordonné? Donc, il n'y a absolument rien. C'est pourquoi j'ai toujours insisté à vous dire que le hasard n'existe jamais. Amen. Amen. Le hasard ne peut pas exister. Parce que tout ce qui doit se passer, Dieu l'a déjà ordonné. Amen. Et chaque chose qui doit venir, même au lendemain, Dieu le sait. Amen. Et la Bible dit que les pas du juste sont même conduits par l'Éternel. Quelle sécurité pour un croyant. Quelle assurance pour un homme qui a trouvé la grâce de pouvoir réellement être amené dans la présence de ses dieux et de réaliser effectivement que non, c'est vraiment, nous l'avons entendu, non, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, tu me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que je suis? Pour que toi, le Dieu très haut, tu puisses te soucier de moi. Alléluia. Autour de toi, tu as les anges. Tu as les séraphins, les archanges qui te louent jour et nuit, saint, saint et éternel. Tu as les cieux remplis de et l'armée céleste. Seigneur, tu peux t'en occuper, il te loue, il te respecte. Moi, il me manque des terres qui, chaque fois, pour venir à l'assemblée, j'ai ronchonne. Vraiment. Alléluia. Je me donne de la valeur alors que je suis qu'une mode de terre. Tiré de la poussière à la mer. Mais toi, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Amen. Qui tu es, mon frère? Qui tu es? Qui suis-je, moi? Pour lever les épaules, me trouver, moi je suis important, moi je suis. Qu'est-ce que tu es, ça? Mode de terre. Tu dis simplement qu'on lève le souffle, c'est le corps qui bouge. Amen. Amen. Vous vous souvenez de Marie et de Marthe, effectivement, avec leur frère Lazare? Il dit, mais Lazare vivait, était un homme qui s'habillait bien, mais il dit, oh! Il s'est dit, mais allons, voyons, oh, non. Mais pourquoi ton frère? Non, il sent mauvais. Il est déjà pourri, en fait. C'est ça, le corps humain. Le voile dans lequel tu te bats la poitrine aujourd'hui. Si le souffle est enlevé, on ne peut même plus s'y approcher. Alléluia. C'est vrai.
De quelle valeur moi je suis? Poussière de la terre. Est-ce que la terre, la meilleure poussière, vous la ramassez, non? Quelle est la valeur qu'elle a dans la vie? Rien du tout. C'est vrai quand même. Nous sommes tirés de la poussière. Quand on voit dans la rue, là, les hommes, ils peuvent couper la tête parce qu'il faut que, il faut qu'il faut que. Ils ne se rendent pas compte de quelle valeur ils se trouvent là. Nous n'avons pas de valeur en tant qu'être humain. Et la Bible dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est vrai. Regardez-vous. Quand on est jeune, on saute bien là, on encore la force dans le corps, effectivement. Et après, comme le papa qui est dans le fond là-bas. Mais là, il s'est courbé maintenant comme ça. Quand il était jeune, il était là comme ça. Comme ça. Alléluia. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez, même, aujourd'hui, on est jeune. Oh, nous les jeunes, pas de problème, nous les jeunes. Alléluia. Vous les mamans, vous les vieilles, pas de problème. Prenons encore 10 ans, 15 ans. Où vous serez, vous les jeunes d'aujourd'hui? Alléluia. Vous serez aussi les mamans d'aujourd'hui. Amen. C'est pas vrai? C'est ça. J'aime bien la Bible parce qu'il dit, mais jeune homme, jeune fille, fais ce que tu as envie de faire. Je suis encore, vous savez, la fleur de ma jeunesse. Je suis belle, je suis beau, et tout le monde m'appartient. Il faut simplement un jour, prendre un jour, un week-end, pour aller dans la rue Neuve. Mais la rue Neuve, chez nous, c'est le magasin, là où les endroits jolis, on a des gens, on se va les voir, on va s'habiller comme les vitrines. C'est bien, vous savez, non? Quand on regarde là les modèles qui sont marqués à la vitrine, on se regarde, on veut acheter comme cela, on veut. C'est bien, on se prend dans la rue, on voit les lumières, tout ça, donc, tout est beau. Non, n'allez pas à la rue Neuve. Allez au cimetière d'Ixelles. Alléluia. Un samedi comme ça, il dit, bon, au lieu d'aller à la rue, je vais dans un cimetière, soit d'Ixelles, soit d'Escarpé, soit du cimetière du plus simplement, pour aller voir un peu les habitants de là-bas. Vous savez? Amen. Pour aller faire un petit tour, effectivement. Au lieu de magasins, je vais faire un petit tour là-bas aussi. Pour un peu voir, effectivement, qui sont ceux qui habitent là-bas. Vraiment. Vous trouverez des bébés derrière moi. Des hommes de 12 ans. C'est ça. 13 ans, 10 ans, de tout âge. De tout âge, hein. Ils ont une petite demeure là-bas, quelque part là-bas, une parcelle de terre. Dans un lieu qu'on appelle cimetière. Je crois que si vous faites un petit tour là-bas, ça vous permettra de réfléchir un peu. Parce que Satan est très usé, hein. Il vous montre le magasin avec les lumières, vous l'avez, vous parlez, ah, le monde est joli, le monde est joli. Non, n'oublie pas, c'est mon autre monde. Alléluia. Il y a quelque part là-bas derrière toi que tu ne veux pas voir, je ne peux pas te montrer. Là où le corps est enterré. Alléluia. Tu peux t'amasser de tout cela. Il y a une place. Une parcelle de terre comme ça. Et quand tu vas rentrer dedans, il faut que ton corps se vit dans un petit cercueil. Tous les vêtements ne vont pas entrer avec toi. Les chers filles qui sont grands comme ça chez toi là, les grands et grands là, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Parce que le trou est fait pour les cercueils, pas pour les grands et grands. Alléluia. Amen. Les poches, on a les vignes parce qu'on n'enterre pas avec l'argent dans les poches. C'est ce qu'on appelle le corps mort qui lave le corps. C'est lui qui t'en va t'habiller là. Il va d'abord tâter les poches pour savoir si on n'a pas oublié les petits billets. Mais vous ne pensez pas, mais c'est vrai. Alléluia. Tâte les costumes bien à gauche et à droite là, dedans, il met les mains. S'il trouve un petit billet, non, et ça va dans sa poche. C'est ça, alléluia. Tu pars rien du tout dans tes poches. Vraiment. Et si les comptes étaient garnis, c'est maintenant le gouvernement qui se charge. Oui, c'est vrai ça. Vous savez. J'ai appris, ça s'appelle Federal Overrides, Federal Control Disco, qu'est-ce que tu dis? Parce que conto de deposito. Ah, c'est en irlandais. Donc, membre de famille qui meurt, 1 euro qu'il a, compte de deposito. Donc, je vous dis la chose vraie. Hein. Compte de deposito, et tu ne peux pas, il faut d'abord que tu prouves que tu es héritier. Pour que les 1 euro là te reviennent. Et on doit d'abord regarder si, ainsi, ainsi. Donc, c'est pour dire effectivement que nous sommes venus dans ce monde n'importe rien. Et quand nous allons partir aussi, alléluia.
Alléluia. Alors, rien n'importe. Alléluia. Nous vivons en fait dans un monde ici avec beaucoup d'illusions. C'est vrai. Satan nous met beaucoup d'illusions. Regarde autour de toi, c'est cela. Mon frère et ma soeur, ne regarde pas. La Bible dit de Moïse, effectivement, que il a regardé autour de lui, effectivement, on voulait qu'il soit le fils de fille de Pharaon, Alléluia. Afin qu'il devienne Pharaon. Non. Lui, quand il a regardé cela, il n'a pas regardé à cela, il a vu autre chose. Amen. Vous savez ce qu'il a vu? La Bible dit qu'il a vu l'opprobre de Christ. Amen. Plus que la richesse de l'Égypte. Expliquez-moi. Expliquez-moi ça. Un homme pouvait devenir roi, donc pharaon. Toutes les richesses de l'Égypte lui révélaient. Toutes les femmes de l'Égypte lui révélaient. Tous les animaux lui révélaient. Il était roi. Mais quand il a regardé ce qui était de Dieu qu'on maltraitait, il a voulu aller dans les lieux. Alléluia. Alléluia. Il vouloir, pour un instant, du temps, je en fait toutes ces choses-là. Et il a voulu accepter le groupe de Christ. Qu'est-ce que c'est que vraiment que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voilà ce que nous sommes. Absolument rien. Amen. De la poussière de la terre, nous avons été tirés. Nous retournerons là-dedans. Et personne n'y échappe. Amen. C'est sûr et certain. Mais le monde dans lequel nous sommes, effectivement, avec ce qui nous entoure, avec ce que nous voyons, le monde a une influence sur notre façon de pouvoir vivre, notre façon de pouvoir faire les choses. Cela est influencé par l'environnement dans lequel nous sommes. Juste un exemple. Pour vous habiller, l'amour devient de vous. C'est pas de vous. Hein? C'est ça. Alléluia. C'est ça, vrai. C'est les vitrines. Donc un couturier lance sa mode et vous suivez. Parce que le monde vous donne effectivement le rythme. Et ça, et ça, et ça, et ça. Et aussi même, ça forme aussi votre caractère. Votre façon de pouvoir concevoir les choses. Donc l'homme est influencé. C'est pourquoi David dit quelque part, dit, mais je suis conçu dans l'iniquité. Alléluia. Vous suivez, vous suivez pas? Et je suis venu dans ce monde, effectivement, ben, professant le mensonge ainsi. C'est comme cela, parce que le monde avec lequel je me suis trouvé, ainsi, il a été, ainsi j'ai été façonné de cette manière-là. Voyez-vous, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Lui, il avait vraiment un projet. Le projet que l'homme ne pouvait pas connaître. Pourquoi l'homme ne peut pas le connaître? Parce que l'homme n'est pas l'auteur de lui-même. Amen. Toi, tu n'étais pas créé toi-même. Amen. Tu ne t'es pas fait toi-même. C'est pourquoi tu ne peux pas savoir pourquoi tu es là. Un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Vous qui avez les téléphones. Pourquoi on a fabriqué les téléphones? Est-ce que le téléphone s'est fabriqué lui-même? Non. N'est-ce pas? Non. Donc, c'est lui qui a fabriqué les téléphones. Il a mis les éléments nécessaires dans ce téléphone-là. Alléluia. Pour que le téléphone réponde à ses besoins. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le téléphone, s'il avait la pensée, il ne voulait pas savoir pourquoi il existait. Mais il fallait que l'autre dise, j'ai été créé moi pour que tu m'aides à ce que je puisse téléphoner là-bas. Et aussi maintenant envoyer des SMS, c'est pas moi comment le fait. Donc il a fait en sorte que dans ce téléphone, il y ait les éléments nécessaires pour correspondre à ce que lui veut et téléphoner ce que lui veut. Amen. Maintenant, quand tu prends le téléphone, tu l'as acheté pour quoi? Pour appeler, non? Amen. Tu formes le numéro. Tu es content? Mais si le téléphone ne donne pas le son du numéro, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder? Non. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai dit pour que quand je tape là, tu donnes le numéro. Alléluia. Et j'appelle maintenant, c'est sourd. Je parle là-bas, on ne m'entend pas. Alors tu ne sais absolument rien. Qu'est-ce que je fais? Je dis dans la poubelle. Alléluia. Donc tu as fabriqué un téléphone pour un but. Amen. Donc Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Toi, tu ne le savais pas. Amen. Mais Dieu t'a dit, voilà pourquoi je t'ai créé. Amen. Voilà ce que j'attends de toi. Amen. Comme le téléphone. Amen. Alléluia. On aime beaucoup, hein, il fallait toucher, surtout les SMS. Mais quand les SMS ne passent plus, on devient nerveux. N'est-ce pas? On se fâche contre les téléphones. Alléluia.
Alléluia. Il faut que ça passe, il faut que les communications passent pour que je puisse recevoir en retour. Surtout même si vous l'avez perdu le téléphone. C'est comme un bébé. Hein. Mon téléphone, où est-ce qu'il est? On dit, mon téléphone, on t'a dit. Ça peut se perdre. Non, il y a tout dedans. Donc tu as mis tout dedans. Mais si, tout, mes affaires sont dedans. Mes numéros, mes contacts, il dit. Oh, alléluia. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. À l'époque, nous avons le vieux fil là, avec le gros carnet chez nous à la maison. On téléphonait avec le vieux fil et puis c'était le carnet en dessous. Donc si on perdait le gros, il n'y a pas de problème, le carnet là. Maintenant, tout est dedans, tout j'écris, tous mes poèmes et tout est dedans. Et ne mettez pas tout dans la même salle. C'est vrai, non? Amen. Oui, c'est parfait, la technologie. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, il a placé dans l'homme des choses merveilleuses. Amen. Amen. La chose que Dieu a placée dans l'homme, c'était l'adoration. Alléluia. L'homme respire bien quand réellement il adore. Amen. Allez, c'est vrai. Alléluia. La preuve est ceci. Quand nous étions dans le monde, on dansait dans des boîtes de nuit, des choses comme cela. Jamais on avait. On pensait que c'était du plaisir. En fait. Mais après, quand on rentre à la maison, on ne se sent pas trop bien. Parce qu'on se dit, mais pourquoi on a été là-bas, bien qu'on a mis la musique dans les oreilles, mais puis après, il n'y a rien de bon qui s'est passé quand même. On s'est trémoussé, et puis bon, le corps est faible, et puis on demande les soucis comment. Mais quand on est venu dans le champ de Dieu. Amen. Amen. Quand je rentre à la maison du Seigneur. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie. De lui. Non, dans la maison du Seigneur. Pour quelle raison? Parce que là-bas, quand je rentre, même quand j'ai des soucis, même quand j'ai des problèmes, il suffit simplement que son nom. Amen. Le nom du Seigneur fait de merveilles. Amen. La parole du Seigneur, notre Dieu, nous prendrait pas la délivrance. Amen. C'est l'homme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur de pouvoir entrer effectivement dans les choses de Dieu, trouve effectivement le bonheur. Amen. Et cet homme, maintenant, comprend pourquoi Dieu m'a placé sur la terre. Alléluia. J'ai lu dans Jean chapitre 7, verset 35. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Voyez-vous, selon les études que nous faisons, que nous avons faites, avec la théorie de l'évolution, on enseigne à l'homme que l'homme, il descend du sein. Et qu'il y a eu une évolution, effectivement, depuis l'homme de l'Indertal, je ne sais pas moi, de ce signe d'évolution, jusqu'à pouvoir venir devenir un homme tel que nous sommes. Vous ne vous êtes jamais posé la question? On nous a enseigné que l'homme descend du singe. Et puis il y a eu une évolution. Mais maintenant, si l'homme descend du singe, il doit évoluer. Il doit évoluer pour maintenant arriver à pouvoir atteindre quoi? C'est ça. Parce que là, on était un singe. Maintenant, on est arrivé au stade de ça. Et puis après, on va devenir quoi? Vraiment. Alléluia. Il faut qu'on se pose la question. C'est ça. Parce que s'il y a évolution, ça doit continuer. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai ou pas? On a quitté les singes. On est devenu demi-singes. Je ne sais pas si c'est une portion des singes. Et puis après, et puis on a commencé à ramper. Mais maintenant, on est devenu au stade où nous sommes. Il faut que l'évolution continue. Et s'il continue, on va devenir quoi? Vous voyez là où l'intérieur de l'homme s'arrête. C'est ça. Alléluia. Parce qu'il faut à cet moment même penser, tout de même, enfin, mais si je descendais du singe, je dois devenir quoi maintenant? Parce que si je dois évoluer et devenir supérieur encore davantage à l'homme que je suis. Donc je vis supérieur au sein, je vis supérieur à l'homme que je suis. Je deviens quoi? C'est ça. Est-ce que l'évolution s'est arrêtée ici? Il y a un problème s'il s'est arrêté là. Qui l'a dit de pouvoir s'arrêter à ce stade-là? Alléluia! Alléluia! C'est vrai? On me dirait, oh mes frères, quand même, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, quand Dieu a donné à l'homme la possibilité de voir le maître au monde,
qu'Adam n'a jamais été mis en haut. Donc il n'a pas de cordon ombilical. Vous savez cela, non? Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il a été créé. Alléluia. C'est Seth qui est venu au monde. Vraiment. Avec Abel, effectivement. Rien, vous savez cela, non? Amen. Donc cordon ombilical. Mais Adam, non. Alors maintenant, par ce que nous voyons, regardez très bien, pour que vous puissiez voir que l'intelligence des hommes, ils sont vraiment limités. L'enfant est né. Un bébé, d'abord c'est un fœtus, non? Nous suivons l'évolution, non? Vous suivez? C'est un fœtus. Donc une masse à l'intérieur. Et puis cette masse, on regarde effectivement, et puis il y a des petites mains. Puis finalement, il devient un être humain. Vous suivez? Et puis finalement, il est né. Il est né quoi? Un bébé, non? Qu'est-ce qui se passe avec un bébé? Un bébé, il grandit. N'est-ce pas vrai? Il va grandir jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Vous allez voir peut-être bien. 25 ans, 30 ans, vous suivez? 40 ans, 50 ans, vous savez ça? Vous suivez? Donc l'homme évolue, donc il grandit, non? Sa croissance, non? Oh, mais non, il va grandir jusqu'à quand? Vous dites, mais alors, frère, je le ramène un peu dans ça. C'est pour vous montrer l'absurdité de la pensée de l'homme. Vraiment. Je vous ai posé la question. Si nous évoluons, effectivement, devenir meilleurs, n'est-ce pas? Passer du singe à l'homme, tu deviens encore plus encore que l'homme. Si on prend l'évolution. Vous suivez? Donc maintenant, regardez, l'homme, il grandit, il arrive jusqu'à l'âge de 30, 40 ans. C'est à partir de 40 ans que les gens commencent à avoir mal de pensée. Vous vous souvenez, non? Donc quand on était 40 ans, c'est la dépression. Oh là là, c'est fini la vie. Vous connaissez, non? Comment ça chante, effectivement. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est un problème. Et surtout les femmes. 40 ans, c'est l'âge de malheur. Ça, Dieu n'a jamais dit ça quelque part. Alléluia. Frères et sœurs, prêtez attention d'abord. Vous acceptez des démons, vous. Vraiment. C'est ce que je crains qui m'atteint. Amen. 40 ans, on va avoir des problèmes. Vous aurez des problèmes. J'ai atteint 40 ans, ça ne va plus. Ça n'ira plus. Parce que tu acceptes des démons. Les pensées de l'eau, effectivement, tu auras des problèmes à 40 ans. Mais si Dieu t'a dit qu'à 40 ans, c'est un âge pour être là, il n'y a pas de problème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, regardez. Donc l'homme atteint un certain âge, effectivement, on dit qu'il est devenu adulte. Mais après, maintenant, quand il est devenu adulte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'âge adulte, maintenant, regardez comment les choses se font. Amen. L'homme commence. Alléluia. Amen. Ce n'est plus la même personne. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'homme commence à couper, à devenir où? À retourner où? Mais vers la terre. Alléluia. L'homme retourne vers la terre où il a été tiré. Mais l'évolution m'amène jusqu'où? Vraiment. Vous suivez? C'est pour que nous comprenions qu'il n'y a jamais eu d'évolution. Alléluia. Mais c'est la création. Amen. Il a dit, tu as été tiré de la poussière, Amen. Tu vas retourner dans la poussière. Alléluia. Donc je viens de la poussière, je retourne dans la poussière. Donc le corps que Dieu a créé, il retourne dans la poussière. Ce corps, en fait, c'est un corps pour entrer dans un contact avec le monde matériel. Parce que le véritable homme que Dieu a créé à son image. Alléluia. Suivez, s'il vous plaît. Le véritable homme que Dieu a créé à son image n'est pas l'homme que je touche, que je salue en serrant ma main. Non. C'est lui qui a été créé à l'image de Dieu parce que Dieu est esprit. Amen. Donc c'est cet homme-là, esprit, que Dieu a créé. En disant, faisons donc l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image, c'est l'homme esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment après, quand l'homme devait maintenant cultiver la terre, que le corps lui a été donc tourné. Amen. Et là, quand nous nous regardons, effectivement, nous sommes construits de trois parties, n'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a le corps que vous avez. Il forme l'enveloppe ici pour que vous puissiez me voir, autrement vous ne pouvez pas me voir. C'est la vérité, non? Alléluia. C'est le muscle, simplement. Qui vous voit. Et qu'est-ce qui fait mouvoir ces muscles, effectivement? Mais c'est en fait l'esprit qui est dans l'intérieur. Ceci, c'est l'enveloppe.
Et pour que vous puissiez voir la personne qui est devant vous, qui vous parle, il fallait qu'il reçoive cette enveloppe. Sans cette enveloppe, sans cette semence d'avoir, vous n'êtes pas par la personne. Vous suivez? Amen. Donc il fallait l'enveloppe, effectivement, et l'enveloppe couvre effectivement l'homme intérieur. Et pourquoi quand on parle de l'homme nouveau, ce n'est pas le corps ici. L'homme nouveau créé selon la vérité, la parole de Dieu, c'est celui qui est à l'intérieur. Oh, frère, nous le savons. J'ai dit simplement prêtez attention. Si vous le saviez, frère, vous ne prêterez pas toujours attention à ce que vous êtes naturellement. Une chose est de savoir, une autre est de croire. Amen. Et une autre est de vivre cela. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, amen, ils ont fait quoi? Ils ont fait attention à leur corps, non, à ce qu'on dit de leur corps, de leur peau. Non, ils ont justifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Alléluia. Vous avez remarqué dans Romains au chapitre 5, la Bible dit, je vais vous lire avec vous. Nous revenons dans Jean chapitre 5 tout à l'heure. Romains chapitre 8, regarde. Romains, chapitre 8, je commence. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Vous suivez? Ainsi donc, frères, verset 12, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Vous suivez ça? Amen. Donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour que nous puissions vivre selon la chair et que nous fassions ce que la chair veut que nous puissions faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons compris. Alléluia. Ce que nous sommes réellement. Parce que ce que Dieu cherchait en réalité, c'est quoi? Ce que toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu saches qui tu es. Amen. Et pourquoi Dieu t'a placé aussi sur la terre. Alléluia. Ce à quoi Dieu s'adresse, effectivement, ce n'est pas à l'homme charnel, en fait. Alléluia. L'homme s'adresse au spirituel. Amen. Bon, regardez, frère. Et tellement que nous sommes nés, comme je disais tout à l'heure, effectivement, et nous sommes dans ce corps, liés maintenant par ce corps, l'âme et l'esprit, et ça forme la personne que vous êtes. Vous suivez? Amen. Ne dites pas, frère, nous savons que cela prêtait seulement attention. Ce que vous êtes maintenant, c'est en fait trois parties qui forment une seule partie. Et vous avez confondu ces trois parties-là, en fait, en donnant plus d'importance à une seule partie. Vous avez la partie à laquelle vous avez donné l'importance, c'est la partie du corps. Ce que vous êtes, votre personnalité. C'est pourquoi, effectivement, le corps, la nature naturelle, charnelle de l'homme, a plus d'importance, effectivement, d'impact sur vous-même que la partie spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses qui appartiennent à son royaume. Il faut donc naître de nouveau. Ça veut dire quoi naître? Dans Jean chapitre 1, je vais lire avec vous l'écriture que vous connaissez aussi très bien. Jean chapitre 1. À partir du verset
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, vous suivez ? Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'effectivement que la chair de l'homme, la partie humaine de l'homme, jamais la volonté de l'homme, n'a plus effectivement d'emprise sur ce qui est spirituel. C'est-à-dire que ce qui est maintenant spirituel, l'homme nouveau, est devenu maintenant au-dessus de ce qui est maintenant charnel. Bien qu'étant maintenant dans un corps comme celui dans lequel nous sommes, le corps dans lequel nous nous trouvons n'a plus d'emprise, effectivement, sur la partie spirituelle. C'est maintenant le spirituel qui devient beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le commencement, ça n'a jamais été la chair avec laquelle Dieu a traité. Toujours été avec l'homme spirituel. Amen. Ce que Dieu avait créé, c'est l'homme esprit. Et c'est l'homme esprit qui devait dominer sur la chair. Alléluia. Voilà pourquoi Adam était un Dieu sur la terre. Amen. Bien qu'étant dans un voile comme celui-ci, il pouvait commander. Et la chose était pourquoi ? Parce que la partie spirituelle dominait sur le naturel. Le naturel n'avait pas d'influence sur le spirituel. Et c'est le spirituel, écoutez très bien, qui avait l'influence sur le naturel. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par la chair, alléluia, tous ceux qui sont conduits par l'esprit, amen, est-ce que vous me suivez, amen, ils sont fils de Dieu. Et la Bible dit, nous ne sommes point rédévables chair, pour vivre selon la chair. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Aimez ceux qui vous haïssent. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. La chair ne peut pas le faire. Alléluia. Quand la chair a les dessus, c'est impossible. Où que tu puisses y arriver, il faut que l'esprit, amen, l'homme esprit, ait les dessus de la chair. Que Dieu te bénisse, ma vie. C'est 100% vrai. Amen. Aussi longtemps qu'effectivement que... C'est pourquoi vous pouvez entendre quand cet homme de Dieu le prophétise. Il dit, le plus grand obstacle à ta propre vie, mon frère et ma soeur, c'est pas ton voisin, c'est toi. Amen. Le moins, aussi longtemps que la chair a davantage de plus en plus en plus, effectivement, sur l'esprit, tu vas toujours, moi on m'a dit, moi on m'a fait, moi on m'a fait, moi ceci. Mais c'est le moi-là qui est un obstacle pour toi. Amen. Dieu ne conduit pas le moi de toi, là. Dieu n'a rien à voir avec ta chair à toi. Dieu a besoin de l'esprit qui est en toi. Amen. Pourquoi quand on parle de la nouvelle naissance, il ne s'agit pas du corps naturel que vous voyez. Il s'agit, il a dit lui-même, hein, c'est pas moi qui dis, Ézéchiel dit, mais je vous donnerai quoi ? Un esprit nouveau. Alléluia. Il n'a pas dit, je donnerai une chair nouvelle. Alléluia. Il a dit, mais je vous donnerai un esprit nouveau. Alléluia. Un cœur nouveau. Amen. Amen. Aussi longtemps que toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu ne peux pas, c'est pour ça. Et quand on se réjouit, prêtez attention à ce que quand un fils de Dieu, une fille de Dieu, est dans la maison du Seigneur, et qu'on chante, et qu'on danse, il ne danse pas comme un homme de monde. Amen. Amen. On n'allait pas voir les papas, par exemple, là, dit, apportez les pagnes. Quel est cet homme? Alléluia. Je dis, hé, frère, attends. Oh, je suis dans l'esprit de Dieu. Frère, s'il te plaît, viens un peu. Amen. Je ne comprends pas. Quel est cet homme de Jésus? Non. Viens. Non, ça
C'est vrai, frère. Un fils de Dieu n'est pas son conduit spirituel. Amen. Ce n'est plus sa chair qui doit satisfaire. C'est l'âme qui se réjouit, effectivement. Amen. Et l'âme a des mouvements tout à fait particuliers, frère. Alléluia. C'est vrai. Amen. Ce sont des choses, ne pensez pas que nous connaissons, frère. Prêtez attention. Amen. Elles sont nécessaires. Par les faits, je comprends, je connais, frère. Et nous entrons dans d'autres dimensions. Amen. Amen. Parce que Dieu veut réellement ramener la personne à comprendre effectivement ce qu'il est pour que vous ne soyez plus de religieux, en fait. Amen. Pas pour dire, en effet, je vais à l'église, je vais à... Non. Que vous compreniez effectivement à quoi ça me sert de pouvoir aller m'asseoir dans un endroit où on dit que c'est la maison du Seigneur. Quel est le bien que cela m'apporte effectivement? Il faut que nous comprenions, c'est-à-dire qu'il y a un voile qui doit être enlevé pour que nous puissions avoir une vue l'ensemble des choses qui tiennent en fait pour cela. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, parce que vous voyez que l'homme naturel, surtout un homme animal, effectivement, il est toujours colérique, toujours s'emportant tout le temps, parce que la Bible dit que la colère repose dans le sein de l'insensé. Si tu es toujours énervé tout le temps, tu es un insensé. Un véritable homme a une maîtrise de soi, en fait. Dans la colère, on peut faire sortir n'importe quoi. La colère n'a jamais été un bon conseiller. C'est un mauvais conseiller. Alors, l'homme naturel, dans sa façon d'être naturellement, il a sa façon de pouvoir concevoir les choses, de penser, de réfléchir des choses. Habitudes. Et c'est un homme, une affaire charnel, qui est tout à fait aussi très sensible. Sensible dans le sens que il suffit simplement que dites quelque chose de pas bien à son endroit, il change de couleur. Amen. Tu l'insultes, il t'insulte aussi. Oui, si toi tu le peux, pourquoi pas moi? Mais l'homme qui est détaché en fait de la nature. Vous savez ce que la Bible dit pour que vous puissiez être pour voir que ces choses-là, moi plus nous avons une valeur. C'est regardé dans la. Dans le livre de la Bible, chapitre 5, dans chapitre 5, verset 16, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, vous me suivez, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Vous suivez ça? Amen. Est-ce que vous avez, humainement parlant, la volonté? Vous avez le désir, effectivement, ce que la nature charnelle demande effectivement à l'homme de pouvoir faire. Mais cela est opposé en fait à l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Vous connaissez l'écriture? Amen. Je vais continuer ici dans la prière. Verset 8. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements,
l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Voyez ce que la chair en soi, la nature de l'homme naturel, produit en soi. Et ça, c'est ce que ta chair à toi demande. C'est que ta nature à toi, charnelle, produit les animosités, les disputes, les querelles, toutes ces choses-là, effectivement, c'est dans la chair. Dans l'homme charnel. Les disputes. Ce n'est pas que l'apôtre Paul disait quelque part, je crois, dans la parole, n'est-ce pas que vous êtes charnel. Tout ce qu'on a parlé, des disputes, des ceci et des cela. Vous souvenez, non ? Amen. Des animosités, des ceci et cela, des règlements, les dépôts, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les disputes, les divisions, la livronnerie, tout ça. Tout cela. Parce que vous êtes charnel. Écoutez d'abord la suite. Verset 21, j'ai dit encore. L'envie, l'ivronnerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme j'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses hériteront le royaume de Dieu. Non. J'ai pas entendu? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il aura beau prier, il aura tout fait ce qu'il veut, frère. Il n'est que simplement qu'un religieux. Parce que la chair est encore attachée. Ne vous détenez pas quand moi, Dieu sait tout en temps ce qu'il dit, mais. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. C'est la vérité. Hein? La chair de l'homme a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. D'abord l'homme esprit, et puis le corps lui est donné pour pouvoir arriver à. Et la terre. Cet homme, conception, comme je l'ai dit, lorsqu'on est venu à ce monde, quand on se regarde, on n'a pas fait attention qu'il y a nos trois parties en fait. Et nous mettons l'accent sur la partie extérieure qui n'est pas vraiment la partie la plus importante pour Dieu. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est la partie spirituelle. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous accorde la grâce que la parole de Dieu nous soit apportée. Amen. Pour que nous comprenions, frère, ce que nous sommes, ce que l'homme est, et ce que Dieu cherche effectivement dans l'homme. Je continue d'abord dans Galates. Regardez bien. Puis nous revenons dans Jean 7. Regardez bien. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous suivez? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit. C'est au pluriel ou au singulier? Amen. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous suivez? La loi n'est pas contre ce chose. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc mon frère et ma soeur, il y a une chose que c'est dans la partie charnelle que tu trouves l'hypocrisie. Tu trouves effectivement la débauche. Toutes ces choses aussi immondes, effectivement. La haine, les animosités, les disputes et ceci et cela. Toutes ces choses-là, ce sont des poisons dans l'homme. Amen. C'est le venin qui te détruit, effectivement. Donc, l'homme qui t'insulte, le suit aussi. Qu'est-ce que vous échangez, effectivement, le venin? Tu as insulté ma maman, moi aussi, je t'insulte ta maman. C'est comme ça, non? C'est la guerre, non? Donc, d'abord, c'est vous. Maintenant, on transfère ça sur les parents. D'abord, c'est toi et moi, et puis c'est venu ma maman. Ah oui, puis ton papa aussi. Ton oncle aussi. Et puis c'est toute la famille entière. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La haine qui a commencé avec moi. Parce que toi et moi, on a eu un petit problème. On l'a établi maintenant dans la famille. Et c'est terminé maintenant.
Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la nature en fait de l'homme. C'est ça la partie charnelle effectivement de l'homme. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait par la prédication de la parole de Dieu? C'est-à-dire, un homme tel qu'il est effectivement comme cela, c'est se souiller en fait. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Amen. Les insultes, les ceci, les cela, ça suit la personne. Et la Bible dit une chose, je crois que dans le livre de les Hébreux, je pense, pourquoi c'est des lignes des Hébreux? Regardez. Hébreux au chapitre 10, je pense. C'est ça. Oh, c'est Hébreux, chapitre 9. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de la maison, c'est-à-dire qui n'est pas construit de la maison, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et qu'il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Amen. Il a obtenu une rédemption Amen. Éternelle. Amen. Et verset 13. Prêtez attention. Car si le sang des taureaux et des veaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ Amen. Qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, écoutez bien, purifiera-t-il votre conscience Amen. Des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu Amen. Vivant Amen. Amen. Donc l'homme qui est réellement souillé, plein tellement de aussi des mauvaises pensées, qui crée des disputes, les envies, de ceci et cela, Dieu a donné un moyen. Amen. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est vrai. Et puis il a dit, sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. C'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur accorde la grâce à l'homme de voir réellement réaliser d'abord son état. Qu'est-ce qu'il est, effectivement? Et quand cet homme, effectivement, était réellement dans la pensée de Dieu, connu de Dieu, l'homme reconnaît son état. Voilà qu'on parle de la repentance. Alléluia. Amen. C'est lui qui justifie toujours ses péchés. Ne pourra jamais évoluer. Amen. Amen. Et celui-là, il faut bien se poser la question de savoir où est-ce qu'il en était. Si on se retourne effectivement dans le livre de Genèse, on trouve deux enfants, Caïn et Abel. Quand le Seigneur s'est approché de Caïn pour pouvoir lui parler, avez-vous vu son langage? Comment il a dit? Alléluia. Non, suis-je le gardien de mon frère? Mais il a déjà tué son frère. Amen. Alléluia. Il dit, mais où est ton frère? Suis-je son gardien? Suis-je le gardien? Mais oui, frère, nous sommes censés veiller les uns sur les autres. Amen. Amen. Quand tu as commis une faute, un fils de Dieu. Amen. Il n'a pas signifié, moi, on m'a dit, moi, on m'a fait, parce que moi, on m'a fait, alors moi, j'ai fait aussi. Non! Seigneur, je ne savais pas, oh Dieu. Amen. Cet homme-là, cette femme-là, était dans la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que ce que Dieu cherche, c'est quoi? Ce que toi, l'homme, tu sors de ta partie, jamais. Alléluia. Tu reviens à la partie où tu as été. Amen. Ah oui, c'est pourquoi on a parlé du premier Adam et du dernier Adam. Pour
ramener dans notre condition originelle. Je prie que Dieu vous ouvre la porte. Alléluia. Amen. Que vous puissiez vraiment prêter attention et que vous compreniez, frère. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Rosario. Mon frère et ma soeur, ne perdez pas votre temps à avancer sans savoir où vous allez. Vraiment. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une église catholique presbytérienne ou protestante ici. Nous. Nous sommes dans la maison. Amen. Amen. C'est une maison de correction. Amen. Alléluia. Où Dieu juge son peuple ici. Amen. Si tu aimes le péché va s'attacher à toi. Amen. Mais un fils de Dieu n'a jamais aimé le péché. Amen. Amen. C'est pas possible. Il ne peut pas aimer. Il a été tigé, en fait. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient pour t'ouvrir les yeux de voir, quand tu as été connu de Dieu, que tu étais dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un autre endroit, s'il vous plaît, votre attention, il n'y a pas un autre endroit où toi, tu peux retourner si c'est l'endroit où tu étais. C'est vrai. Amen. Vous avez compris? Amen. Vraiment compris. Amen. La Bible dit que nous étions en lui. Amen. Dès avant la fondation du monde. Amen. Christ est sans péché. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, si nous étions en lui, nous ne serions pas des hommes de péché. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes devenus des chrétiens. Non. Tous ceux qui sont, mais vous l'avez toujours été. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, quand Pierre a été secondé, un païen, il a prêché la parole de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Oui. Tout ce qui était secondé, il est dans sa maison. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. Vraiment. Mais les disciples, les autres, ils ont dit, c'est pas possible. Mm-hmm. Pierre, tu es rentré chez les païens, c'est interdit. Mm-hmm. Il dit, moi aussi, j'ai pensé. Mm-hmm. Alléluia. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Comme suivi, ce que moi j'ai accompli. Alléluia. Vous souvenez? Amen. Il dit, mais comment pouvez-vous m'expliquer, vous? J'ai aussi apporté la parole de Dieu comme j'ai apporté la parole. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Amen. Pouvais-je moi m'y opposer au Saint-Esprit et ne pas le baptiser parce que c'est le même esprit? Amen. Alléluia. Ils ont dit, oh Dieu. Amen. A donc accordé la repentance aux païens pour qu'ils soient sauvés. C'était des élus. Amen. Amen. Ces hommes et ces femmes qui étaient rassemblés, là, quand tu as entendu que c'est par son nom que le pardon est accordé, les hommes se sont repentis. Ils n'ont pas justifié, oh moi j'étais avec Jupiter. Non, il dit, oh Dieu du ciel, j'ai péché. Amen. Amen. Nous avons tellement eu des diplômes, nous, que nous sommes venus docteurs, nous. Justification, on se justifie. Même si on dit, mais ça tu as fait, non. Alléluia. Tu as beau expliquer, monter à gauche, monter à droite, tu veux simplement montrer que tu es spirituel. Alors que tu n'es pas spirituel. Écoutez-moi, un homme spirituel, une femme qui est spirituelle, ne parle pas beaucoup. Alléluia. Non, un homme spirituel ne parle pas beaucoup. C'est sûr. C'est vrai. Et c'est aussi un homme ou une personne qui se répand facilement. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous voyez une femme ou un homme qui, pour reconnaître sa force, se répandir, il justifie, il est toujours là en train de résister, et puis bon, finalement, bon, je vais reconnaître. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème dans cet homme-là. C'est sûr et certain. Pourquoi est-ce que on se répand?
L'homme se répand parce qu'il le reconnaît d'abord. Et ceci, en tout cas, c'est pas bon. Que ceci est mauvais. Pour que tu reconnaisses que ceci est mauvais, il faut qu'il n'y ait pas quelque chose de bon en toi. Alléluia. Et tu as pu voir qu'effectivement, ça avec ça, ça ne correspond pas vraiment. Hein. Pourquoi? Parce que au-dedans de toi, au-dedans de toi, Dieu avait placé ce qui est bon. Amen. Amen. C'est vrai. C'est 100% vrai. Comment le petit aiglon a pu reconnaître effectivement que ça, alléluia, c'est ma mère. Alléluia. Et pourtant, il était habitué avec les petits poussins, il était ensemble, effectivement, en train de voir prendre les potes, ensemble, effectivement. Il n'a jamais su qu'il était aiglon. Alléluia. Il voyait ce qui était devant lui, c'était les poussins, dit monsieur, dit poussin. Un jour, quand le kiar est entier, alléluia. Ça correspondait à ce qui était en lui. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dedans de toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit. Si quelqu'un a soif, alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Si quelqu'un a soif, je vais vous poser une question. Vous voyez ça? C'est du bois. Est-ce que le bois peut avoir soif de l'eau? Non. Est-ce que ceci peut avoir soif de l'eau? Alléluia. Pourquoi ça ne peut pas avoir soif de l'eau? Parce qu'il n'y a rien qui attire l'eau en lui. Amen. Alléluia. Pourquoi toi, l'homme, tu as soif pour boire de l'eau? Alléluia. Amen. Parce qu'en toi, il y a une partie qui réclame de l'eau, mon frère. S'il n'y avait pas de place pour l'eau, tu ne peux pas crier pour l'eau. Amen. La femme samaritaine. Amen. 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 Elle avait soif, mon frère et ma soeur. C'est sûr et certain. Il y a une fontaine qui est encore toujours présente jusqu'à aujourd'hui. Amen. Suivez-moi, mon frère et ma soeur. Écoutez-moi, mon frère et ma soeur. Je l'ai dit tout à l'heure, la pierre qui est ici n'a pas besoin de l'eau. Parce qu'il n'y a rien dans la pierre qui peut réclamer l'eau. L'être humain a besoin de l'eau parce que son corps est constitué d'eau. Amen. S'il n'y avait pas de l'eau dans le corps humain, il n'aurait jamais soif d'eau. Toi, aujourd'hui, tu as soif de l'eau, mon frère. Alléluia. Alléluia. Vous venez vous asseoir dans cet endroit. Vous m'écoutez, vous me regardez comme si c'était un monsieur qui faut s'y faire, qui fait, qui raconte. Vous avez soif de quoi? Pourquoi vous venez? Alléluia. Vous semblez être ennuyé ici dans cet endroit parce que vous n'avez pas de quoi vous avez besoin. Alléluia. Vous savez pourquoi vous ne changez pas? Vous n'avez pas de quoi vous avez besoin. Quand vous avez soif, je vais vous donner les bistecs, les steaks. Vous serez heureux? Non. Alléluia. J'ai vraiment choisi, oh mon frère, pas de problème, voilà, j'ai un grand poulet là. Bien frit, voici, manger. Vous allez manger les poulets? Vous allez manger les poulets? Il dit, frère, j'ai soif, il dit, ne vous inquiétez pas, j'ai encore la semoule. Je donne la semoule. Et j'ai encore vraiment soif, j'ai encore, ça dit pas de problème, mon frère. Vous voulez que j'ai encore là, vous avez, j'ai encore, si c'est du riz, je vous donne le riz. Je vais vous donner la viande, le riz, les maïs, les légumes, ceci. Mais la soif, alléluia, c'est là. Vous approcherez à moi, dit, mes frères,
C'est vrai, j'ai mangé, mais j'ai soif. Mon frère et ma soeur, tu as soif de quoi? Amen. Amen. Parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, amen. Alléluia. Dans Esaïe chapitre 55, il nous dit une chose. Regardez très bien. Esaïe 55. Alléluia. Je le dis ici. Verset 1. Esaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif. Alléluia. Venez aux eaux. Amen. Alléluia. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent. Alléluia. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait sans argent. Alléluia. Sans rien payer. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il te dit, mais si quelqu'un a soif, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour laisser du spa. Non. Il dit, c'est gratuit. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as soif de quoi? Alléluia. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un a soif, il vient. Qu'il vienne à moi. Qu'il boit. Alléluia. Vous savez, c'est quand même important, mon frère et ma soeur, de savoir réellement répondre de la manière juste à ce que Dieu demande. Alléluia. Vous connaissez Bartimée? Alléluia. Qui était mendiant? Amen. Il est venu juste devant le Seigneur. Le Seigneur l'a regardé. Vous vous souvenez? Ne dites pas, frère, nous sommes déjà, nous connaissons. S'il vous plaît, frères et sœurs, prêtez attention pour le nom de Dieu. Dans ce que vous entendez. Il était aveugle, n'est-ce pas? Il est venu devant le Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne connaissait pas l'état des... C'est ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Amen. Amen. Bartimée est venu, non? Alléluia. En courant, évidemment, effectivement. Il dit, fille de la ville, aie pitié de moi. Il s'est arrivé, il dit, bon, laissez-le venir. Il dit, bon, tu vas te prier. Tu es là, maintenant, en présence. Qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Alléluia. Il voyait bien qu'il était aveugle. C'est ça. Alléluia. Il faut réellement savoir répondre. Amen. Il a parlé juste à Dieu quand il te pointe. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Bartimée? Parce que vous dites, mais pitié de moi, j'ai beaucoup de dettes à la maison. Mais c'est la femme, donc, je crois que c'est la femme qui l'a organisée, donc qui était dans le mari est parti, effectivement, mourut. Il y avait des dettes, donc les créanciers sont venus. Vous vous souvenez? Amen. Amen. Donc, les créanciers venaient prendre les enfants, effectivement. Et puis, il dit, oh, ton serviteur, il dit, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Mais le problème, c'est des dettes. Vous suivez? Donc, on a posé la question, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Peut-être qu'il avait des dettes. Vous suivez? Alléluia. Il voulait avoir une maison. Vraiment. Mais aussi, peut-être avoir aussi un endroit pour aller à la plage. Alléluia. Bartimée voulait le bien-être, un fauteuil bien là, bombé. Il était toujours assis au bord de la rue. C'est ça. Il s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, mon frère et ma soeur, de quoi tu as vraiment besoin. Tu as soif de quoi? Bien, mes frères, nous demandons des futilités à Dieu. Vraiment des futilités, frère. Et vous ne pensez même pas à votre âme. Alléluia. Tu as été tiré de la poussière. N'oublie jamais ça. Peu importe l'argent que tu peux avoir. Peu importe les maisons que tu peux avoir. Peu importe les bien-être, même que les hommes te mettent sur un pédestal. Il est le plus grand, il est le plus beau, il est le plus mignon. Tu retourneras. La poussière. Les mains du tapot des cheveux du demain, ils vont te rendre. Bravo.
Bartimé, que veux-tu que je te fasse? De quoi as-tu soif? Est-ce que tu as soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Que veux-tu que je te fasse, Bartimé? Pourtant, il était aveugle. Que voulez-vous vraiment que je fasse pour vous? Alléluia. Vous savez, quand cet homme de Dieu, notre frère, était encore sur terre, effectivement, le Seigneur jouait d'aller dans une maison d'une sœur. Alléluia. Vous suivez? Amen. Il était dans une maison d'une sœur. J'oublie de cette sœur-là. Cette sœur-là avait des problèmes. Il avait même aussi son cousin qui était, je crois, son oncle, je me rappelle, qui était malade. C'est la dynastie, ma sœur. Et malade et dans le fauteuil roulant. Puis il avait des problèmes, situation, il avait aussi des enfants. Et puis, le Saint-Esprit est entré dans le ciel. Alléluia. La présence du Seigneur est venue. Et le frère regarde la sœur Ati. Il dit, sœur Ati. Alléluia. Sœur Ati, nous sommes dans la présence du Seigneur maintenant. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Ton oncle est toujours dans le fauteuil roulant. Maison, plein de dettes, t'as pas fini d'être payé pour payer ta maison. Et ta situation sociale n'est pas bonne. Qu'est-ce que tout ce que tu demanderas aujourd'hui là, maintenant là, alléluia. Dieu va te le donner. Alléluia. Il faut savoir donner la bonne réponse. Amen. Alléluia. Au moment où Dieu te pose la question. Pour l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je vous regarde. Et vous ne voyez pas ce que moi je vois. Vraiment. Alléluia. Je prie pour chacun. Alléluia. Vous ignorez effectivement beaucoup. Frère, je prie que Dieu apporte la grâce. Vous ne vous souvenez pas, frère, que un jour, même dans votre subconscient, que un jour, vous partirez de cette terre. Alléluia! Alléluia! Et qu'un jour viendra où vous vous tiendrez devant la page du jugement. Que vous le croyez ou pas, vous vous y tiendrez. C'est vrai. Et vous serez jugé. Même vous, jeune fille qui est assise. Par l'effet simplement d'être assis à cet endroit et d'entendre ce que vous entendez. Et vous sortez, vous rencontrez, vous serez jugé. C'est-à-dire avec deux mesures de discours, ça c'est votre rôle. Mais étant assis, là où vous êtes assis, écoutant la parole de Dieu. Réveillez-vous un peu. Devenez un peu conscient. Savez-vous combien de temps dans la vie il vous reste? Qui peut me dire s'il va vivre encore 10 ans? Qui peut me dire? Vous ne le savez pas. Et vous voyez que vous répétez toujours à lendemain, je vais faire, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il faut prendre conscience. C'est qui dans ça? La première question, mais c'est la dit, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Demande tout ce que tu veux, Dieu te le donnera. Et là, donnez la bonne réponse. C'était laquelle? Je n'ai pas besoin d'argent. La dirigeant peut venir et partir là. Mais les saluts de mes enfants, qu'ils soient sauvés. Hein? Dieu bénisse ma soeur. Alléluia. Alléluia. Son nom fait venir, il fait de l'autre malade. Mais les saluts, c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. De quoi as-tu vraiment soif? Mon frère, ma soeur. De quoi as-tu soif? Vous savez,
c'est en voyant les jeunes hommes là qui s'élevaient pour aller prendre quelque chose me revient. Nos enfants, que Dieu les bénisse, ils écoutent la parole. Il y a la maman de Daniel et de David, qui notre sœur Elisabeth, l'épouse de mon frère Christian. Alors, il me pleure, elle dit, aïe, j'étais avec elle. Elle me dit, mais en tout cas, moi, je souffre beaucoup. Elle me dit, mais de quoi je vois, moi, tu souffres? Pourquoi tu souffres? Il dit, aïe, aïe, aïe. Il dit, mais David et Daniel. Il dit, je fais une chose à la maison, avec mes enfants. C'est un peu pour que vous puissiez vous détendre. J'ai quelque chose avec mes enfants. J'ai dit, bon, voilà ce que nous allons faire, les enfants. Toi, Al-Gaël, tu t'occupes de la vaisselle. Tu fais la vaisselle. Tu arranges bien les choses à sa place. Mais David et Daniel, vous, je vais vous demander de m'aider à ce que vous fassiez sortir les poubelles. Là, je me dis, bon, avec un gars, pas de problème. Et puis, je vois simplement David et Daniel qui viennent dire, maman, mais c'est pas possible que nous fassions sortir les poubelles. Il dit, mais pourquoi? Ah, mais le Seigneur ne prendra pas les éboueurs. Il dit, moi, je ne peux pas raquer l'enlèvement, parce que tu n'as pas entendu à ce prix. Le Seigneur n'est pas un éboueur. Donc, moi, je ne veux pas rater le Seigneur. Parce que ce sont les éboueurs, je ne veux pas être éboueur, maman. David aussi, papa, moi, je ne veux pas être éboueur. Non, non. Je ne veux pas être éboueur parce que Dieu ne prend pas les éboueurs. N'as-tu pas entendu, maman? Tu me demandes une chose comme ça, maman. Non. Et la maman dit, je souffre à la maison. Oh, qu'est-ce qu'ils écoutent bien la parole. Oui, David, Daniel et David, ils ne veulent pas. Ils disent, non, nous ne voulons pas les éboueurs. Parce que Dieu ne prendra pas les éboueurs. Maman dit, mais c'est pas comme ça. Non. Nous, nous avons entendu que le Seigneur n'est pas éboueur. Et oui, nos enfants écoutent. Amen, c'est vrai. Ils écoutent la parole. Oui, c'est vrai, ils écoutent. Par l'impression. Si vous ne vous convertissez et devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas. Qu'est-ce dont tu as besoin que tu conçois effectivement? Or, comme Bartimée, que veux-tu que je te fasse, Martin? Depuis le temps que tu vas à une église ou à un endroit, est-ce qu'as-tu compris réellement de quoi il s'agit, ce qu'il arrive? Si vraiment nous avions compris, mon frère et ma soeur, il n'y aurait jamais des querelles parmi nous. Amen. Il n'y aurait pas de disputes. Il n'y aurait pas d'hypocrisie. Alléluia. Hein? Alléluia. Et vraiment attachés dans l'amour de la parole. Vraiment. Nous aimons mutuellement. Amen. Et parlant du bien toujours. Alléluia. Sérieux? Amen. Amen. Le problème, c'est que aussi longtemps que tu caches ces démons, il sera toujours là. Amen. Tu le protèges, en fait. Les démons de la langue, les démons de l'hypocrisie, les démons de la dispute, les démons des querelles, et ceci et de cela. Toujours le moi, on m'a dit, on m'a fait. Satan, il est content parce qu'il a son domaine. Son domaine, c'est la chair. Moi, on ne me touche pas parce que je suis la plus belle. Moi, on ne peut pas parler parce que je suis le plus beau. Moi, je suis le plus spirituel. Moi, on ne peut pas. Moi, moi, je suis le plus seul. Les péchés, c'est pas vous. Moi, je suis un pécheur. Je me confesse le péché. Amen. 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 Je ne suis pas meilleur. Amen. Je vous de la grâce de Dieu tous les jours. Je confesse, je pleure la grâce, je pleure, je m'agenouille. Et je me dis, Seigneur, soutiens-moi par ta grâce. Amen. Sans la grâce de Dieu, je ne peux pas te prier. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur. Celle qui est meilleure, c'est Amen. C'est pourquoi je m'accroche au besoin de cette grâce de Dieu. Amen. Sans ça, tout ce que moi je peux faire de moi-même, il n'y a rien d'autre. Ça, vous savez, non? Amen. Il n'y a rien de meilleur qui peut sortir de l'homme. C'est un homme de souliers. L'homme doit reconnaître son état, ce qu'il est, pour que il y ait
un changement dans l'homme. Alléluia. C'est quand même bizarre, frère. Après avoir été dans la présence du Seigneur, dans la maison de Dieu, vous sortez à peine. Et là, votre nature prend dessus. Votre langage, aussi méprisante, charnelle, blessante, des paroles blessantes, sort de la bouche de quelqu'un qui chante Alléluia, gloire à Dieu. Dieu merci, que ton nom s'appelle. Oh, gloire à Dieu. La même personne qui vient gloire à Dieu, il sort là-bas, il tue du beau. Par sa même langue là. Alors vous savez ce que c'est? Ce que l'onction est tombée sur votre esprit. C'est pourquoi vous étiez si heureux, mais votre âme, elle est toujours sauvage. Jamais changé. Vous savez, c'est quelle nature sainte? C'est la nature d'un vautour. Un vautour peut être là avec les enfants de Dieu, il se réjouit, il sort, il va manger des saletés à l'extérieur. Si tu es double, c'est pour toi-même. Si tu es hypocrite, c'est pour toi-même. Tu t'es détruit pour toi-même. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un a soif. Seigneur, je me rends compte, je suis hypocrite, mais je vais être juste. As-tu soif de pouvoir être juste? Il y a une fontaine, mon frère. Amen. Et encore aujourd'hui, amen, qui est ouverte. Regardez, il dit, c'est comme ça qu'il dit, quoi, regarde, regarde, regarde. Écoutez, regarde. Verset 10, c'est comme ça, verset 10. Pourquoi pèsez-vous de l'argent? Pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, c'est l'éclat de l'insuffisant. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Maintenant, écoutez encore. Je traiterai alliance avec vous, une alliance éternelle, pour rendre l'âme et faveur envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme ce dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas courront vers toi, à cause d'éternel ton Dieu, du Saint Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Amen. Donc c'est une invitation. Amen. Il dit, mais viens, viens, viens. Tu as soif, viens. Alléluia. Tu n'as pas à payer. Je suis là pour te donner. Amen. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Observe ta nature, jusqu'à quand tu resteras tel que tu es. Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Tu ne diras jamais, le Seigneur, tu n'es pas venu me voir. Tu ne diras jamais, le Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Mais le Seigneur te parle. Ici, quelqu'un a soif. Seigneur, je vais garder ma vie, je fais des efforts, mais je ne change pas. Il faut être sincère. Amen. Il ne faut pas se placer soi-même sous les votes de Dieu. Pour dire que non, c'est l'autre, non, toi-même. Alléluia. Toi-même. Amen. Ne parle pas de ton voisin, mais toi. Oui, Seigneur, si tu veux les pensées des bibliothèques, moi, tu dis, tu me sens toujours moins supérieur aux autres. Seigneur, non, cette pensée n'est pas la bonne. Amen. Je dois reconnaître effectivement que je ne suis pas meilleur. Délivre-moi de cela. Amen. Que personne parmi vous n'ait une trop haute opinion de moi. Et pourtant, vous l'avez. Moi, je ne peux pas. Lui, il fait. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis un enfant de Dieu, c'est vrai. Mais l'enfant de Dieu, ça ne se parle pas, ça se vit. Amen. Le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu qui aura pitié de lui et qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Vous suivez ça? Amen. Là est l'occasion qui t'est donnée, mon frère. L'occasion de donner aussi. Ma soeur, va dire en tout cas, Seigneur, non. Je suis venu à l'église, mais j'ai fermé le cœur, mais aujourd'hui.
Tu m'invites moi. Amen. Alléluia. Amen. A ouvrir mon cœur en moi. J'ai été hypocrite. Je fais ceci, c'est que maintenant, j'ai soif. Amen. De quoi? Mais de la chose vraie. Amen. Amen. Seigneur, cela est possible. Vraiment, mais oui, c'est possible. La femme samaritaine, c'est vrai, vous vous souvenez? Le Seigneur lui a dit, si toi ici tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te parle, et ce temps que tu vas boire, tu as encore soif. On parle dans les hôpitaux. Vous savez, les gens font souvent et beaucoup plus souvent confiance aux médecins. Les médecins, quand une femme ou un monsieur, madame, se tient devant un médecin, c'est comme s'il était devant Dieu. Vous avez remarqué cela? Allez dans les hôpitaux, non? Tout ce qu'on dit à une personne, il va croire. Le médecin a dit, le docteur a dit 14 pilules à 12 heures, 15 pilules à 13 heures, il ne va pas manquer. Hein? Il ne va pas manquer. Mais je dis, mais le Seigneur demande que tu pries au moins à 12 heures, à 15 heures, 16 heures. Oh, prier 15 heures. Mais le médecin a dit, le médecin a dit, ok, le médecin a dit qu'avant de pouvoir boire, je dois au moins faire Ave Maria. Il va vous faire. C'est la vérité. Donc, on a confiance dans le médecin, on tremble devant le médecin, comme si le médecin était Dieu. Mais le médecin ne peut jamais vous guérir. Amen. Par contre, le médecin peut aussi vous tuer. Amen. C'est la vérité. Amen. Il y a une femme en France qui est partie voir son gynécologue parce qu'il devait donc accoucher. Et une autre, évidemment, qui avait des problèmes et qu'on devait ligaturer les trompes. Ils sont allés voir les gynécologues. Ben, celle qui devait accoucher, quand je lui dis, oh madame, ça va, vous me suivez? Il faut vous suivre, parce que c'est la même chose que vous vivez, non? Bon, elle rentre dans la. Bon, voilà, madame, ça va, vous dites, oui, c'est très bon, j'ai regardé les radios, comme on fait confiance au médecin, hein. J'ai regardé les radios, c'est bon, voilà, bon. Il a dit, bon, vous pouvez venir, madame, dit, voilà, le médecin dit, on vient sur la civière. On amène madame, effectivement. Oh, bon, voilà, maintenant on va à la salle d'op. Il est venu voir son gynécologue, non? Confiance gynécologue, non? On va à la salle d'op. Ah, bah, ok, madame dit, bon, pas de problème, parce que gynécologue m'a dit. Donc, il dit qu'on l'amène ici. Donc, il voit ce qu'il va pouvoir faire, parce qu'il sait que je vais accoucher dans 2 mois et demi. Tu vois, ça va coûter peut-être 6 mois. Donc, si c'est tout, peut-être qu'il est prêt, ben, peut-être faire un autre examen. Elle veut quoi? On amène madame là-bas. On a ligaturé les trompes de madame. Madame qui attend le bébé. Et maintenant, celle qu'on devait ligaturer les trompes, est-ce qu'on l'a fait sortir la dame? Et celle qui devait ligaturer les trompes maintenant, elle vient maintenant pour voir le médecin. Elle se passe avec la fille, ok. Oh, ben, et il dit, oui, ben, je suis venu parce que bon, nous avions rendez-vous pour. Oui, pour ligaturer. Que le monsieur regarde. Mais je viens de. Il dit, ah non, non. Non, il dit, quoi madame? Non, c'est moi qui vous devez. Donc, ce que je viens de ligaturer là, c'est pas toi. Il dit, non, 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 monsieur, c'est moi, je suis la personne. Le médecin regarde les photos, il regarde là les dossiers, c'est avec confondu les dossiers. Et les dossiers de la dame en bonne santé, on a coupé tout. Et la dame qui avait besoin pour. Ah oui, c'est passé. Et la pauvre était enceinte de son bébé. Donc on a tout enlevé. Et celle qui était malade, on a commencé à lui donner un bébé parce qu'il voulait qu'on puisse enlever. Donc le médecin est tombé dans la pomme. Confiance dans le médecin. Et vous savez que ça coûte cher, non, d'aller en consultation voir le médecin. C'est ça. Alléluia. Et ça coûte cher. Et vous savez ce qui se passe parce que je regarde. Je me souviens un jour, j'ai entendu ça, je vois qu'il me souvenait là. Moi-même, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis arrivé à l'hôpital Erasme. Il m'a dit, oui, il faut consulter un monsieur là, je crois que c'est pas si c'était un problème.
démonété, je ne sais pas où j'avais un problème de lombago, je ne sais pas très bien. Puis il faut consulter le médecin spécialiste ici de lombago, je sais que je vais. Je suis allé. Et alors, j'ai trouvé des gens là, puis ils m'ont donné la vidéo, c'est votre tour, je rentre. Je dis, bon, quand je rentre, le médecin va prendre son appareil. Il va quand même essayer de voir, regarder ici, dans le tour, puis tâter un peu pour voir. C'est moi qui vous parle, qui ai vu ça. Je rentre, mais je dis, oh, asseyez-vous là. Ben, je m'assieds. Puis il me regarde. Je dis, qu'est-ce que vous avez comme problème? Je dis, écoutez, monsieur, ben, je suis venu parce que j'ai un problème qui commence là-bas, au niveau du dos, et puis bon, je ne comprends pas très bien. Ici, c'est des douleurs. Puis le monsieur qui me regarde, il dit, bon, ok. Voilà, je vous prescris de pouvoir aller voir ceci, aller voir ceci. Comment on appelle ça, les messieurs là qui me passent là? J'ai oublié le nom. Qui est? Je regarde. Combien je devais payer si ce sont 10 euros? Je dis, monsieur, je suis simplement venu chez vous. Vous ne me regardez, vous même pas consulter avec les tout ce qu'on veut. Non, c'est vrai. Rien là. Exactement, c'est moi, comme je vous dis, comment pouvez-vous savoir que j'ai besoin d'un kinésithérapeute pour pouvoir aller me casser encore les os, alors que vous n'avez même pas tenté. Donc ça, c'est possible, c'est pas possible, ça. Oh non, monsieur, je suis au bas que vous m'avez déclaré. J'ai dit, je suis au bas que vous avez déclaré. J'ai beau aussi dire, effectivement, des choses que je n'ai pas. C'est ça, alléluia. Ah oui, je peux seulement voir seulement mal ici, dire, oh, je suis mal là, j'ai mal ici. Vous allez m'envoyer où c'est, j'ai un corps mort. Mais c'est vrai. Il ne faut pas faire confiance aux médecins. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu du business. C'est vrai. Donc, s'il a au moins 10 consultations une journée, il a assuré sa semaine. Donc, c'est pour ça aussi, frère et soeur, quand vous tombez enceinte, vous allez vite, monsieur Nicolas, vous allez dire, ah, madame, ça va pas dire. Eh bien, césarienne. Là, c'était toujours pas césarienne. Amen. Oh, c'est pas, vous accouchez normalement, on va couper césarienne. Vous savez pourquoi? Parce que quand un médecin vous ouvre ici, il touche beaucoup plus. C'est vrai. C'est un esprit de rire, hein? Parce que lui, il veut couper rapidement pour qu'on paye. Et toi, tu dis, ah, le médecin, il s'arrive. Non, Dieu t'a donné un moyen naturel. Amen. Et tu dis, j'ai la lumière, je connais Dieu. Amen. Combien n'avons-nous pas prié pour les gens ici? Amen. Donc, n'ayez pas foi dans le médecin. Ayez foi en Dieu. Amen. C'est lui, donc, il va avoir la crainte. Seigneur, quand toi, tu dis, alors je tremble. Amen. Quand le médecin dit, je ne tremble pas. Je confiance en ce que toi tu as dit. Frère, si tu n'as pas ça, Dieu veut que tu puisses avoir la crainte de l'éternel. Plus Dieu est l'avantage. Amen. Dans ta vie. Et pas le médecin. Davantage. Comme conseiller. Nous avons un bon conseiller. Amen. Et en plus, c'est vrai, comme on fait, c'est gratuit. Amen. Amen. Qui a déjà payé pour vous prier pour lui? Vraiment. Personne. Alléluia. Attends, vous êtes guéri. Amen. Qui a déjà payé pour une consultation ici? Non. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Vous savez, il y en a de ceux qui payent pour aller s'asseoir et parler avec quelqu'un. Vraiment. Je peux vous inciter, c'est vrai? Et il dit, bon, venez, je vous attends, hein, le procès, vous allez parler, c'est gratuitement. Non, tu parles, avec le procès, 65 euros pour avoir parlé avec moi. Mais c'est la vérité. Mais avec Dieu, alléluia. C'est gratuit. Amen. Et quand c'est gratuit, c'est Dieu, c'est toujours 100% assuré. Amen. Alléluia. Gratuit, mais aussi assuré. Amen. Parce qu'avec lui, alléluia. Donc, les méchants abandonnent sa voix. L'homme de quitter ses pensées. Tu as soif de quoi, mon frère? De quoi as-tu soif aujourd'hui? Seigneur, j'ai beaucoup de factures à la maison. C'est ça ta soif? Non. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin que mon avenir soit assuré, que j'ai un travail assuré, que j'ai des moyens assurés, les biens, la maison, ceci, cela. Alors je te louerai de tout mon cœur. C'est souvent ça, les pensées secrètes que nous avons au fond. Nous ne voulons pas les dire que c'est vrai, mais c'est vrai aussi. Souvent, nous prions Dieu pour que nous puissions avoir le bonheur sur la terre. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Je crois en Dieu parce que je vais être heureux sur la terre. Mais vous avez oublié que la Bible dit que
vous serez haï. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous devez savoir pourquoi vous croyez en Dieu. Vous devez savoir pourquoi vous vous donnez à Dieu. Et surtout aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, mon frère et ma sœur? Si quelqu'un a soif, il vient à moi. Amen. Et qu'il boit. Le problème, c'est de savoir de quoi as-tu soif. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est capable de te donner ce dont tu as besoin. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui, mon frère et ma soeur? Tu as besoin de quoi? Bartimée! Bartimée n'est pas resté muet, mon frère! Bartimée! Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu as besoin de quoi? L'eau toujours présente du rocher. Amen! Amen! Cette eau est toujours présente aujourd'hui. Amen! Amen! Tous ceux qui avaient soif, qui l'ont approché, leur soif a été accouchée. Amen. T'as dit à la femme, tu vois, si tu bois de cette eau. Amen. Tu veux de l'argent aujourd'hui, je te donne l'argent, mais demain, tu auras encore besoin de l'argent. Alléluia. Alléluia. Aïe. Qu'est-ce que tu as fait? Voyez-vous, l'Écriture dit, vous demandez mal. Pour satisfaire vos convoitises. Tu dois voir pour qu'on voit que parmi les frères, c'est moi qui y ai toujours. Vraiment. Mais je suis la seule qui possède. Vous avez oublié que ici, ce n'est pas une maison de concurrence. Alléluia. Nous sommes tous des. Alléluia. Amen. Et nous supplions Dieu qui touche le cœur des riches pour qu'ils achètent pour nous. Oui. Amen. Nous Amen. Nous. Amen. Nous sommes toujours nous. Vous pouvez regarder votre nous ne pas regarder ton vêtement à toi. Alléluia. Parce que nous savons où nous trouvons les nôtres à un héros. Amen. Vous avez honte? Non. 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 Amen. Amen. Je ne vois pas pourquoi vous aurez honte. Non. Vous voulez acheter le vêtement de 200 euros? Non. Je ne crois pas. Je n'ai pas l'argent d'ailleurs. Alléluia. Nous, on attend qu'on achète ces vêtements de 500 euros. Mm. On dit rien, on paye simplement. Amen. Et puis deux jours après. Amen. Les mêmes vêtements de 200 euros. Amen. Je trouve un prix de week-end. Amen. Oh, petit rien, ou je ne sais rien. Enfin, je n'ai pas la publicité de l'endroit. Enfin. Mais simplement pour vous dire que ne vous mettez pas à l'esprit que vous venez ici avec. D'ailleurs, même celui de 500 euros que vous avez acheté, il n'est même pas plus beau que celui de 1 euro. Amen. Comme les coups là, il dit, vous avez vu ma veste là? Il dit, froissé. Et puis il a dit, Alain, mais moi j'ai une veste qui s'est, qui est bien repassée, qui est sans fond. Ouais, j'ai vite assez comme ça, tu mets des boules, il est tout en froissé. C'est du là. C'est vrai, non? Amen. Là, ça coûte 350 euros. Moi, le mieux, c'est 1,50 euro. Il est sans bien. C'est vrai. Amen. Il ne faut pas vous mettre dans la tête des choses inutiles. Amen. C'est comme. Oh, et vous. Au Coloro et tout, je ne sais pas moi, à 10, je ne sais rien, je ne peux pas, je vais passer le même. Un magasin, un poulet est à 1,50 euro. Je tombe dedans et je m'achète un poulet. Je vais manger à la maison. Mais si tu sors, tu vas à la place des bouquins, restaurant, compte des fantaisies, je ne sais pas quoi là. La cuisse des poulets que je mange chez moi à la maison, il y a à 45 euros. Et puis on vient avec un monsieur qui vient là avec. Et
Et toi, tu es là. Oh, je suis au restaurant. Parce qu'il est. Non, chez moi, à la maison, je mange bien. Ah oui, du coup, c'est pour les griller. Ça me dit, faut pas chercher des choses inutiles. Oui, nous sommes des snobs, hein, nous sommes des snobs. Hein. Et puis, on va manger au restaurant qui se trouve au-dessus de la rue Neuve, là-bas. Mais tu payes l'étage. Avec. Je pense que c'est moi, là, mais je me dis, mais. Mon bébé, mets un peu ta natte comme ça. Amen. Et puis viens avec le plateau, et avec les petits verres. Le bébé va le faire. Chez moi à la maison. Amen. J'ai pas besoin d'aller là-bas pour juger un monsieur avec une cravate. C'est comme ça. Non, non, non. Voyez, frères et sœurs, nous pouvons vivre naturellement. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.